compliqué votre métier. Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Ça va, vous avez pas peur? Non, ça m'a un petit peu, mais bon, c'est avec. Hein. Moi, je suis sûr pour le projet, je suis sûr qu'il va cartonner. C'est sûr. Mais c'est que du bon. Bonjour. Bonjour. L'équipe des Biobox, c'est ça? C'est ça. Je vous en prie. Oh, merci. Bonjour, bienvenue à Bondinov. Najwa, enchantée. Enchantée, Marie-Josée. Enchantée. Marie-Josely. Enchantée. Enchantée, Mégane. Enchantée. Enchantée, Ayou. Bonjour. Bah écoutez, bienvenue. Donc, pour vous expliquer rapidement le principe et la procédure de l'environnement qui vous entoure, vous avez le sein de l'Institut de recherche pour le développement qui est juste derrière vous. Vous pouvez justement, on peut vous mettre en relation avec eux pour vos différentes démarches dans le cadre de votre start-up, donc des Biobox. Vous avez également une cantine à disposition si jamais vous voulez déjeuner ici même au sein de l'incubateur. Donc vous pouvez y accéder en libre accès. Également, des logements vous sont proposés pour si vous souhaitez rester dans cette région d'Île-de-France pour vous faciliter en fait vos démarches vis-à-vis de nous. Donc pour tout ce genre de démarches, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Comme ça, je m'occupe un peu de la mise en relation et de vous procéder à vos contrats. Et pour ma part, donc je suis Najwa, je suis l'assistante de direction donc au sein de Bondinov. Et c'est moi qui serai, entre autres, en charge de vous accueillir, de vous suivre un petit peu au quotidien dans l'aspect un peu administratif de votre projet. Donc n'hésitez surtout pas à faire référence à moi si besoin. Et en quoi consiste votre métier? Eh bien écoutez, je dirais que mon métier consiste très exactement à tout d'abord à être l'assistante de la directrice, actuellement qui est absente. Et faire également un rôle d'interface entre les différents membres de l'entité, mais également de l'extérieur, c'est-à-dire des visiteurs, des professionnels, vous-même, voilà, interférer un petit peu entre tout le monde, répondre un peu aux besoins de tout le monde et gérer l'incubateur. Quel a été votre parcours? Eh bien, écoutez, j'ai effectué un parcours assez simple. Donc, j'ai effectué un bac en STT à l'époque, donc une filière professionnelle qui consistait plus ou moins du secrétariat. Et je me suis orientée naturellement vers un BTS en assistant de direction que j'ai choisi de faire par le biais de l'alternance. Et c'est grâce à un professionnel, enfin, un professeur principal à l'époque qui m'a plus ou moins orientée vers cette orientation-là. Donc, c'est un rendez-vous avec un prof qui vous a fait changer D'orientation. On peut dire ça, oui. C'est vrai qu'un peu grâce à lui que j'ai un petit peu ouvert les yeux sur les possibilités qui m'étaient offertes à l'époque. J'en ignorais tout. Bon, mais écoutez, c'est bon pour moi, j'ai les documents. Donc ce que je vous propose, c'est d'effectuer une petite visite des lieux. Et par la suite, je vous inviterai à voir ma collègue Aminata qui se chargera de vous expliquer plus ou moins le suivi qu'elle effectuera auprès de vous. Donc comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure, vous avez aperçu l'accueil. Là, vous avez différents bureaux en fait qui sont consacrés donc aux incubateurs, aux incubés pardon, comme vous. Donc vous pourrez disposer d'un bureau que j'ai préparé pour vous à l'étage, qui sera votre bureau attitré. Donc je vais vous le présenter. Excusez-moi. Oui. Cette carte, raconte-moi s'il vous plaît. Alors cette carte représente donc des types d'incubateurs. Un peu comme notre structure, présent essentiellement en Afrique. Et vous avez toujours travaillé avec le Togo? Alors, bonne question. Peut-être que dans le passé, oui, mais en tout cas, moi concernant, ça sera une première avec vous, du coup. Donc, je vous présente votre futur bureau. Donc, on aménagera exprès avec votre logo sur la porte. Voilà. Donc, ça sera votre espace dédié pour vos réunions, votre quotidien. Sympa. Ça, c'est sympa. Est-ce que vous pouvez du coup me dire quelques mots un peu plus sur le projet et aussi vos fonctions dans ce projet? Nous allons vous présenter un projet qui s'appelle DigiBoss. C'est d'aider les enfants du Togo pour qu'ils ne souffrent de la pauvreté. D'accord. On a une boîte dans laquelle on met
des habits à manger et des médicaments pour les enfants. Et cette boîte est envoyée dans les écoles du village au Togo. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus comment ça fonctionne concrètement? C'est par le biais d'une application. On voit les photos des personnes, on voit ce qu'ils ont besoin. D'accord. Et du coup, comment se fait l'envoi des choses? C'est très très simple, je vais vous expliquer rapidement. Alors, c'est une boîte. On met, comme elle a dit, tout ce qu'ils ont besoin. La boîte est déjà affranchie et on l'envoie et ils la reçoivent directement à l'école. Ok, très bien. C'est très important pour nous que des vieux boss arrivent dans les écoles pour que les parents poussent les enfants à aller à l'école. Donc ça me paraît vraiment un très beau projet, hein, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. On va essayer d'organiser assez rapidement une réunion avec notre business développeur pour vous aider à mettre en place une stratégie qui vous amènera, j'espère, au succès. Et puis voilà. Vous allez voir ce qui va se couler là-dedans. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Oui, j'ai eu quelques difficultés au commencement. Ouais. J'ai pas toujours été aussi sûre de moi, on va dire, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident. T'as toujours voulu faire ça ? Honnêtement, comme je le disais l'autre fois, non. Je savais pas, en fait, j'étais à une période de ma vie où je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et je me cherchais un peu, bon, comme tous les jeunes de mon âge, j'imagine, hein, à l'époque. On nous demande maintenant très tôt de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, sauf que, 14, 16 ans, on veut juste profiter de la vie. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué. Surtout qu'on n'a pas forcément les bonnes orientations, les bonnes personnes pour nous aider à y voir plus clair. Et moi, je t'avoue, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas. Je voulais faire médecin, mais les mathématiques, c'était hors de question. Même, c'est pas grave. Tu aurais pu essayer. Non, je savais que c'était... Franchement, déjà, j'avais pas confiance en moi, mais il y a des choses sur lesquelles je savais qu'il fallait pas non plus exagérer, quoi. Faut pas tenter... Non. Je savais que c'était pas du tout ma filiale et je me sentais plus à l'aise dans tout ce qui était organisation. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai voulu très vite devenir indépendante. Un exemple tout bête, et je vais peut-être passer pour une folle, mais c'est pas grave, j'assume. Quand je voyais mes parents remplir des documents, des papiers ou ce genre de choses, je me disais, il faut que je fasse ça, moi aussi. Ah ouais, vraiment. Un jour, il faut que je sache faire tout ça. Parce qu'un jour, j'en vais en avoir besoin. Et je peux pas ne pas passer à côté, quoi, en fait. Donc, t'as t'occupé des papiers. C'est ça, on peut dire ça. Ah bah, c'est cool. Si on n'aime pas les papiers, en même temps, on peut pas trop occuper ce genre de poste, en fait. Ouais. Donc, c'est un peu... Donc, c'est pour ça que j'ai aussi choisi cette orientation-là, parce qu'elle correspond aussi à mes traits de caractère. Aussi. Un peu le côté un peu maniaque, organisé, les papiers, voilà. Donc... Ça a été plus fluide de sang dans ce côté-là, quoi. Ah bah ça va, t'es bien, alors. À propos de ton travail, maintenant que t'as pris confiance en toi, tu voudrais pas plutôt monter d'un grade? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir pourquoi l'assistante de direction veut rester l'assistante de direction. Pour le moment, c'est pas dans mes priorités, très honnêtement. Je me sens assez bien dans mon poste actuel. J'aime bien les responsabilités qui me sont accordées. Et pour le moment, je préfère laisser ça pour plus tard. Pourquoi pas un jour, mais pas encore. Et pourquoi est-ce que tu voulais être médecin? Alors, à l'époque, je voulais être médecin. Pourquoi? Parce que aider les autres, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et en particulier, les enfants. Est-ce que quand tu étais enfant, tu étais en difficulté? Ou tu avais raconté des enfants qui étaient en difficulté? Je dirais un petit peu des deux. Bon, je vais pas dire que j'étais une enfance en difficulté. J'ai eu une enfance en difficulté alors que c'est pas vrai. J'ai une bonne enfance. Mais c'est vrai que peut-être de par mon statut d'aîné, j'ai peut-être été un peu plus poussée ou un peu plus avec plus de poids sur les épaules que mes frères et sœurs, par exemple. Mais peut-être ce côté-là, voilà, de développer ce besoin de grande sœur, voilà, protectrice envers les enfants. Est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas. Peut-être, très honnêtement. Mais j'ai connu effectivement des jeunes à l'époque ou même des enfants qui étaient comme moi un peu en difficulté. C'est vrai que ça me touchait un peu particulièrement. Ce métier te correspond aussi parce que t'es un peu la grande sœur ici. Dans ce cadre-là, oui, on peut dire ça, oui, quelque part. Bon, la grande sœur, je pense pas que tout le monde soit plus jeune que moi non plus ici, mais c'est vrai que ce côté un peu où on dépend un petit peu de moi, on a besoin de moi constamment, on me sollicite beaucoup, ça donne un peu cet effet-là, oui. T'aimes bien, enfin... Ah, mais en tant que je peux rendre service, je me sens utile, ça me va. Est-ce que tu aimes ton métier? Oui, sincèrement, j'aime beaucoup mon métier. J'ai su apprécier
au fil des années, plus ça va et plus je l'apprécie vraiment. Travailler pour Bondinov, ça te plaît ? Alors effectivement, j'apprécie beaucoup de travailler au sein de Bondinov. C'est une association donc, avec un aspect pour moi non négligeable humain, je pourrais dire, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté un peu aider les startups, les suivre au jour le jour, les conseiller, donc j'apprécie énormément. Et ça me permet également de faire le lien avec mon poste d'assistant de direction. Donc sincèrement, c'est une bonne surprise, une bonne découverte, travailler ici. Donc tu t'es bien trouvé ici ? C'est ça. Du côté mania, du côté papy, tu t'es bien trouvé ici. On peut dire ça comme ça, oui, c'est vrai. Est-ce que tu comptes faire autre chose, un autre métier ? Pour le moment, non, mais c'est vrai que je pense peut-être un jour à monter une association. Ça me tiendra à cœur. Pour justement peut-être aider justement ces enfants que j'oublie pas. Aujourd'hui, je me stabilise un petit peu professionnellement, mais je garde ça dans un coin de ma tête et j'espère un jour pouvoir la réaliser. Mais en tout cas, si je peux vous donner peut-être un dernier conseil, maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, etc., et que je vois plus ou moins les personnalités de chacun, surtout que ce soit dans votre projet professionnel, justement, de monter dans votre start-up ou dans la vie en général, n'hésitez pas à être vous-même, à avoir un peu plus confiance en vous, à être curieux, à vouloir faire les choses et ne laissez surtout jamais quelqu'un, qui que ce soit, votre famille, vos amis, vos proches, vous dire que vous n'en êtes pas capable. Il n'y a que vous qui pouvez décider de ça. OK ? Okay. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bah, merci à vous d'être venus, c'est un plaisir en tout cas. Et puis de toute façon, on se verra bientôt. Ouais, donc, bientôt projet. C'est clair. Merci. À très vite. Bah, à très vite, au plaisir.